Garder informé pour son acte de cotisation. J'ai un cours en ligne, mais c'est en personne. C'est en personne, mais aussi en ligne d'esthétique. En ce moment, on fait juste la théorie. Cette semaine, de genre lundi à mercredi, c'est en ligne. Et jeudi, j'ai une pratique en personne. Et vendredi, j'ai pas de cours. J'ai plein d'activités à remplir. J'ai pas des manuels encore. Ça, c'est la première. Malgré aussi ça. Mais j'ai besoin d'acheter au moins comme, je pense, 8 manuels. Et ça va se faire jeudi. Comment ça fonctionne, c'est que on a un courriel avec l'école, donc ce courriel avec esthétique, et sur ce courriel-là, ils nous envoient genre un lien à chaque jour pour se connecter. On se connecte pendant 15 minutes pour la présence, parce qu'ils veulent savoir qu'on est là, même si on est en distance. Et si on a des questions, ils nous donnent qu'est-ce qu'on va faire pendant notre journée. Il semble que moi c'est de 3h à 10h mes cours. Je me connecte à 3h, des fois c'est 3h40, 3h45, 3h30. On se connecte pendant 15 minutes. Puis après ça, ils nous disent comme ok, vous pouvez genre faire vos devoirs, vos activités, vous pouvez vous déconnecter. Après ça, ils nous donnent une heure spécifique qu'on doit se reconnecter. Absolument, c'est de 3h45. Après ça, on se déconnecte à 4h. On se reconnecte à 5h. Après ça, 7h, 9h. Je ne suis pas tout mes cahiers. Je commence à faire mon zéro. J'ai pas beaucoup de choses à mettre à l'impôt là, mais c'est juste pour l'école. Puis les T4, j'ai déjà fait mes 5 mois cette année, mais c'était pour l'année 2021, parce que j'ai pas fait mes 5 mois cette année là, je m'en souviens pas pourquoi. Et c'est ça, fait que je fais vraiment juste flâner parce que je sais pas comment étudier. Yes, you're a maman.
in French. J'ai tellement oublié que j'avais parlé en anglais. Oh my goodness. Ok. Donc ça. C'est pas que l'encre que j'utilise pas vraiment, mais c'est un agenda. Du mois de mars que je vais sûrement pas respecter parce que genre ouais ça c'est comme un budget non officiel, ça dépend de comment ça va se passer avec mes prêts et bourses. Donc si tout va bien tu dois avoir des prêts et bourses, sinon je sais pas quoi faire. On va aller, on va continuer de travailler, I guess. Oh my god, je me suis rasée ce matin en plus. Des affirmations parce que là pour mes impôts j'ai comme un bug, j'ai des trucs que je comprends pas vraiment parce que c'est des j'ai genre mes relevés mais j'ai pas mes T4 et que je vais devoir fouiller dans ma chambre pour trouver les T4 parce que je pourrais faire mon relevé 8 pour mes études post-secondaires, mais il y a deux relevés que je suis comme pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est un T4 ou c'est comme dans le relevé 1, t'as genre le revenu d'emploi, puis t'as le revenu d'hiver. Mais j'en ai deux que c'est des revenus d'hiver. Donc c'est pas comme, c'est pas un employeur, genre comme, en tout cas, c'est genre des programmes que j'ai fait. Et ouais. Yeah. J'ai tellement faim. Ça va devoir attendre que je mange. J'ai commencé une routine que je mange seulement à 10h PM. Puis c'est vraiment mauvais. Mais j'ai pas vraiment la capacité et le temps de manger avant parce que je me réveille à 1h PM. J'ai froid, j'ai comme un rhume, genre je suis comme mon sourcil qui est tellement intense. Genre dans ma classe, il y a juste des femmes à part un monsieur. Puis c'est tellement dynamique, genre je sais pas comment expliquer, mais c'est une dynamique. Comme esthétique, surtout que tout le monde est belle, on va se le dire, mais c'est ouais,
Je vais rester à la bibliothèque, puis je vais me reconnecter pour mon cours. Puis après ça, je vais faire mes petits impôts, ou je vais essayer de les faire. Puis faire mon budget. Et...